Salut We Love Cinéma, on est... Pardon. On est qui? Ben, on est à We Love Cinéma, hein. On aime le cinéma. On vous embrasse très fort, ciao ciao. C'est bon? Attends, il faut se dire qu'on vient pour le procès du chien. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé d'un procès autour d'un chien et qui avait déchiré une ville. Et ça m'a fascinée, je me suis dit qu'il y avait moyen de raconter une comédie et aussi de parler de thèmes qui m'étaient chers comme le statut animal, le féminisme, l'écologie. Que l'histoire de son film soit une histoire véritable, une histoire vécue. Puis défendre la cause animale, c'est un truc, soulever certaines questions qui peuvent paraître un peu entre guillemets débiles à la base, mais à travers l'absurde, construire une histoire qui en fait soulève des questions qui sont véritables en fait. Le chien dans le film au départ il est assimilé à une chose, comme c'est le cas dans notre loi, mais un chien c'est un ancien loup qu'on a transformé en chien pendant 10 000 ans. J'avais envie de faire un film qui mette en valeur la singularité, qui défende la nature de chacun. C'est un film pour l'écologie, pour le progrès. Terminé avec des fondus au fromage dans ma chambre, quoi. J'en ai ramené en Belgique, tout. J'ai adoré ça. Je suis reparti en vacances en Suisse cette année et je suis tombé amoureux de Lausanne aussi. Extraordinaire. Il y avait un poivrier géant, tu te souviens qu'ils ont sorti le poivrier? Tu sais pourquoi ils donnent toujours des poivriers géants? Parce que les gens les volent, les petits. Ah, c'est vrai, c'est pour ça? J'ai demandé. C'est pas con, hein, parce que... Bah, vas-y, à part le mettre dans ta jambe, sortir avec une jambe de bois. C'est Suzy, un gros bisou à Karim Leclou qui s'est défendu pour que ce chien ait la Palme Dog qu'il n'a pas eu. Donc là, on a affaire à un border collie et c'est dans Anatomie d'une chute. Exactement, de Justine Triat. Et on peut dire qu'il est dans Belle et Sébastien, non? Voilà le chien de Chien de la Casse, c'est idée fixe. Et je sais pas. Le cocker et Sébastien? Boulébile. Le cocker de Boulébile. C'est pas mon chien, stupide ce truc? C'est tout à fait mon chien. D'Yvan Attal? C'est un homme et son chien. Ah oui, de Belmondo. Tu l'avais vu ça? Oui, mais j'ai tout vu. Ça, c'est un labrador et ses dents. Je me demande si c'est pas le film d'Alain Chabat. Ce serait quoi alors? Ça pourrait pas être Didier? Ben voilà, c'est Didier. Qu'est-ce qu'il est beau ce labrador. Bonjour Cody, tu es ici à Angoulême pour présenter le procès du chien. Est-ce que tu es ravi d'être ici? Excellent festival. Est-ce qu'on veut vivre dans un monde qui respecte la nature de chacun, sa singularité? On ne peut pas le juger comme un homme. Il faut qu'on redéfinisse le statut du chien.